Good morning, allez, Iden, et ce sera aujourd'hui, le Lonishmat, Avram ben Chai ben Yitzhak, Vefani David ben Fortuna Mazal Fritna, Aaron, Richard Aaron ben Fortuna Mazal Fritna, et Dvorah Bat Esther. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Maseret Ktuvot, Perek Yud, Mishnah Gimel. Ayu Sham Nechassim Baraoui, Enam Ke Bam Mouchzak. Rabbi Shimon Omer, Afelo Yesh Sham Nechassim, She'en Laem Acharayot, Eino Klum. Ad Sheyu Sham Nechassim, She'esh Laem Acharayot, Yoter al shtei aktubot dinar. Un rappel et une nouvelle donnée, et après on commence à étudier la Mishnah. Un rappel d'abord, c'est l'histoire de la Ktuvat Banin Dirin. Je rappelle très rapidement notre histoire, je reste avec la même histoire comme ça. On vous l'assimilez bien. Il y a Yaakov s'est marié avec deux femmes, avec Rachel et avec Léa. Rachel était une femme pas particulièrement riche. Avec elle, Yaakov a eu deux enfants, elle le fait entrer une ktouva de 200 000 shekels, et elle le fait entrer, c'est-à-dire des biens dans, pour la gestion du foyer, puis après Yaakov les a hérités lorsque Rachel est décédée, 200 000 shekels, et il a eu avec Rachel deux enfants, Yosef et Binyamin. Après, en plus, il s'est marié avec Léa, elle, était une fille riche, qui avait 1 million, avec Léa, il a eu un enfant, Réhouven, d'accord? On savait que maintenant, et après Léa aussi décède. Ça fait que Yaakov, il a hérité de ses femmes 1 200 000. Comme on avait expliqué, si Ramim n'était pas venu changer la donne, alors, après Yaakov décède, les trois enfants qu'il a, qui sont Yosef, Binyamin et Réhouven, se partagent le 1 200 000 équivalent, chacun 400 000, en supposant qu'il n'y a pas de Béchor, parce qu'il y avait une grande sœur en plus, et comme ça, ça résout le problème. Et donc, en fait, ils se partagent à trois les 1 200 000. Comme on avait dit, c'est un peu moche et triste. Léa, elle a fait rentrer une belle somme à son mari. Elle aurait voulu qu'a priori, cet enfant, il reste chez sa progéniture, que ce soit son fils Réhouven qui en tire profit, pourquoi pas, quoi. D'accord? D'autant plus que, et donc Réhouven en plus a voulu stimuler en plus de ça le beau-père Léa, le père de Léa, en fait, a plus donné d'argent à son gendre. Et donc, ils ont scellé ça, que ça va rester dans la propriété des descendants de Léa. A priori, c'est ce qu'on appelle la Ktuvat Benin Dichrin. Comme on écrit dans la Ktuva, Benin Dichrin Diavu Lechiminai, Inon Yirtun Kesef Ktuvatich. Les enfants, garçons que tu auras de moi, eux hériteront des biens que toi de ta Ktuva. D'accord? Ça, c'était la première donnée, on l'a expliqué amplement. On a appris dans la Mishnah précédente, un point super important qu'on va revoir maintenant dans notre Mishnah, c'est qu'en plus de ça, Chachamim ont donné le feu vert pour faire ce partage différent, qu'à une condition, qu'il y ait en plus du 1 200 000, qu'en plus de ça, des biens de Yaakov à partager entre ses enfants. Parce qu'il y a d'abord la ktouva de la Torah, l'héritage de la Torah implique que ce que le père y laisse, on le partage équitablement entre frères, selon les règles, parce qu'il y a un béchor, on donne deux fois plus pour le béchor, on partage ça avec une part supplémentaire, il prend une part supplémentaire, s'ils sont quatre frères, le Béchor, il prend deux parts, donc ça fait qu'on partage ça en cinq, il prend deux parts. D'accord? Mais là, donc, et ça, c'est très important qu'il y ait une part de l'héritage du père qui se passe selon les règles de la Torah. D'accord? Et une fois qu'il y a d'abord une part essentielle qui est faite selon les règles de la Torah, alors, Chachamim sont venus et ont dit, écoute, pour le supplément, viens, on va laisser les Ktuvot selon ce que les femmes ont fait entrer. À exclure le cas, plutôt à inclure, on va dire, on va prendre dans le sens, que, en fait, comme on a raconté l'histoire d'un 1 200 000, il faut qu'en plus de ça, que Yaakov, il ait lui-même une petite part de capital, lui-même, un petit, pas grand-chose, même un dinar, on avait évoqué, allez, un petit 50 000, comme ça, ouais, c'est pas pratique, mais non, enfin, 60 000, ce sera plus facile, il faut qu'il ait laissé un petit 60 000 quand même, comme ça, ils vont se partager ça, les trois, équitablement, ça va faire 20 000, 20 000, 20 000. Et seulement, puisque chacun reçoit d'abord une part de l'héritage de la Torah selon les règles de la Torah, alors maintenant, on va dire, ben, le supplément, le 1 200 000, ils vont se le partager selon les ktuvot de la mère. D'accord? Ça, c'était le rappel. Maintenant, une nouvelle notion. Mettez ça de côté, on va revenir dans la Mishnah. Ou bien, non, vous savez quoi? On fait d'abord la première partie de la Mishnah. La première phrase de la Mishnah, c'est déjà « Ayusham nechassim baraoui enan kebamurzak » S'il y avait des biens qui s'appellent dans du raoui, qui sont aptes à lui arriver, ils ne sont pas considérés comme des biens qui sont déjà présents.
La Mishnah vient nous précise, pour le petit 60 000 supplémentaires, qu'on a dit qu'il faut qu'il y ait le 60 000 à partager son héritage de la Torah, il faut que ce soit de l'argent qui soit présent dans la maison de Reuven, de Yaakov, au moment où Yaakov décède. Par contre, si Yaakov n'avait pas les 60 000 sur place, mais en réalité, il a des gens qui lui ont emprunté cet argent. Il y a ici deux voisins, un qui a pris 20 000, l'autre qui a pris 40 000. En une semaine, on vient, on rapporte déjà tout cet argent, donc on a maintenant 60 000 plus les 1 200 000. Eh ben non, ça ne marche pas. Parce qu'il faut nécessairement qu'au moment où Yaakov décède, parmi la part, l'argent qu'il laisse à partager entre ses héritiers, qu'il y ait une part supplémentaire qui soit déjà là. Ok? Ça, c'est ce qu'on appelle du Raoui et du Mourzak. Ceux qui ont continué avec nous, Baba Batra, il y a maintenant, je sais plus, 5 ans, 6 ans, je ne sais plus quand on a commencé. Eh bien, on avait appris ça longuement, on avait parlé beaucoup du Raoui et du Mourzak, que le Bechor. L'héritage, il se passe tout d'abord avec ce qui est présent au moment où l'homme décède. C'est vrai qu'après, on va récupérer l'argent et que quand, les créances qu'il avait. Puis après, lorsqu'on récupère cet argent, on se partagera aussi équitablement. Mais ça a un statut un peu différent. Du coup, ça ne rentre pas en considération pour calculer le supplément en plus de la Ktuvat Banin Dechrin. D'accord? Maintenant, avant de continuer sur la Mishnah, maintenant, je vais faire la deuxième introduction, la nouvelle notion, qu'il faut bien comprendre quelque chose d'important. Si j'en prends de l'argent de vous, eh bien, il y a ici deux corps qui me doivent de l'argent. Il y a vous. Et il y a tous vos biens. D'accord? Quel est l'intérêt de dire ça? Que si vous vendez vos biens, vous avez engagé vos biens. À part votre engagement de me rembourser, vous avez aussi, si on a fait un shtar comme il faut, en bonne et due forme, on a aussi écrit que dedans, on a engagé aussi les biens. Les biens se portent garant aussi pour les... Donc du coup, vous allez vendre votre maison à quelqu'un, je viens réclamer mon argent, vous n'avez pas de quoi me payer, je veux voir le monsieur là-bas, et je lui dis, écoute, moi j'ai un droit dessus, j'avais un veto dessus, un droit de saisie en cas où, au cas où je ne me fais pas payer ma dette, d'accord? Notion très simple. Il faut bien comprendre que un créancier peut récupérer son argent que des biens immobiliers, pas des biens mobiliers. Si, c'est-à-dire quand je viens faire une saisie de vos biens, vous me devez de l'argent, vous me devez 20 000, vous ne me payez pas, je peux prendre votre voiture, je peux prendre votre fauteuil, votre chaise, votre table, ce que je veux. Par contre, si vous avez vendu votre voiture, je ne peux pas aller chercher votre voiture. Je peux aller chercher que les biens immobiliers, on peut engager que les biens immobiliers, mais pas les biens mobiliers, d'accord? C'est une notion, il faut l'admettre. Excusez-moi. Donc c'est une notion, il faut l'admettre, on n'engage que les biens immobiliers, je pense que même... d'accord. J'imagine même dans la législation, il y a une certaine logique, parce que les biens immobiliers, on peut facilement les faire fuir. On ne peut pas les mettre en gage, d'accord? Ça, c'était tout d'abord... la pré-introduction. Maintenant, l'introduction, on y arrive. S'il faut bien comprendre que la ktouva qu'un homme doit à sa femme, c'est une dette. Il est créancier. En cas de divorce ou de décès du mari, je te dois cet argent. Or, en cas de décès, il faut que la femme, la veuve, elle reçoive la part de la ktouva. Maintenant, il y a ce qu'elle reçoit, elle, c'est une créance. Parce qu'il s'est engagé sous la roupa, en cas de décès, il lui donne temps et temps. Si c'est une créance, alors il n'engage que les biens immobilier, pas les biens mobiliers. Pour le moment, tout va bien, mais attention. Il faut bien comprendre aussi que lorsque Réhouven me doit de l'argent, et Réhouven décède, maintenant, ses héritiers ne me doivent pas l'argent, parce que ses héritiers n'ont pas emprunté de l'argent de moi. Ses héritiers me doivent de l'argent que dans le cadre que les biens qui étaient engagés pour rembourser la dette, ils sont passés dans leur propriété. S'ils sont dans leur propriété, je les récupère. Mais alors là, attention, ça signifie que je ne peux récupérer de l'argent des héritiers que des biens immobiliers, pas des biens mobiliers. Réhouven décède. Réhouven me devait de l'argent. Il me devait 100 000. Il décède en laissant des valises pleines d'argent. Lorsqu'il décède, je ne peux pas aller récupérer cet argent. Il y a une certaine mitzvah que si déjà ces héritiers ont reçu, qu'ils soient fair play et qu'ils me donnent l'argent, s'ils ont une mitzvah, Mitzvah est obligé de faire pour Réhouven, mais ils n'ont pas d'obligation du tout, je peux pas faire une saisie, c'est pas à moi. S'il a laissé des biens immobiliers, il a laissé une maison, dans ce cas-là, je peux aller saisir la maison, parce que j'ai un droit dessus. Mais sur les biens mobiliers, je n'ai pas de droit dessus. Donc c'est pas engagé, les héritiers ne sont pas obligés de me rembourser. Notion claire? Ok. Alors maintenant, on arrive maintenant à l'actuva. Même chose pour l'actuva. Le mari décède,
La femme, maintenant, ils sont engagés à me payer 100 000 le jour où je deviendrai veuve. Qui me les paye? Elle va voir les héritiers, les enfants, ça peut même être les siens, ça peut être, d'accord, ça peut être les enfants d'une autre femme qu'il a eu avec son mari. Elle dit, mais il me doit 100 000 lorsqu'il est mort. Et on lui dit, ouais, on te doit 100 000, mais que des biens immobiliers, pas des biens mobiliers. D'où la complexité maintenant du cas qu'on va voir tout de suite. C'est quoi? C'est que, maintenant on va le faire dans les mots. Rabbi Shimon, mais Rabbi Shimon nous dit attention, on reste maintenant, on revient sur la Ktuvat Benin Nirim. En fait non, je vais d'abord vous introduire très, très rapidement à l'oral, c'est très simple. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit, que si la Ktuva, on la prend que des biens immobiliers. Les enfants qui reçoivent la Ktuva de leur mère, maintenant, on passe maintenant à l'histoire de, on revient sur l'histoire de Rachel et de Léa. Le 1 200 000. 1 200 000, 1 million pour eux, pour Réhouven, et 200 000 pour Yosef et Binyamin, à récupérer. Mais c'est uniquement s'il y a des biens immobiliers, parce qu'ils viennent prendre la créance de leur mère. Que dans un cas, dans ce cas précis, même si en théorie, la femme n'a pas de ktouva, si elle meurt avant le mari, mais lorsque les enfants viennent hériter, ils viennent récupérer ça en guise de... C'est un peu entre les deux, c'est un héritage... qui a une certaine particularité, qui est aussi une sorte de créance. D'accord? Dans la Gemara, on parle longuement pour expliquer exactement c'est quoi ces définitions exactes. Mais en tout cas, ça fait que maintenant, ils viennent, en tout cas, ils viennent mikoar, ils viennent parce qu'ils ont une créance dans la main. Ils ont un papier qui dit que tu dois me payer, que moi je dois récupérer 1 000 000 et lui doit récupérer 200 000. Or, s'il n'y a pas de quoi donner par les biens immobiliers, toute la halakha des Ktuvat Beninichin, elle tombe. Il faut qu'il y ait 1 200 000 de biens immobiliers, plus un supplément qui est déjà présent, qui peut cette fois-ci même être des biens mobiliers, alors dans ce cas-là, ils pourront récupérer. Chacun l'a ktuvat ben nidirim. Regarde, on fait ça dans les mots. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon nous dit, afilo yesham nechassim she'en lahem achariut. Même si le père décède en laissant des biens qui n'ont pas de garantie, qui ne sont pas engagés en guise de garantie, c'est-à-dire en fait des biens mobiliers, enokloum, ça ne sert à rien. Jusqu'à qu'il y ait là-bas des biens qu'on peut engager, c'est-à-dire des biens immobiliers, yoter acheter aktuvot dinar, qui est en plus de ça, qui est le supplément, alors après, qui est en plus de ça, de quoi payer les deux aktuvot, et même en plus le dinar supplémentaire. C'est pas comme ce que je vous ai dit à l'oral, parce qu'en fait, j'ai oublié de préciser un autre petit détail. Et je vais le dire tout de suite, c'est pas compliqué. Regardez comment ça se passe. Je vous ai dit qu'une femme, elle ne peut pas récupérer la ktouba des biens mobiliers si le mari décède. Tout comme le créancier ne peut pas récupérer les biens mobiliers si le mari décède. Toutefois, depuis les Géonim, l'époque des Géonim, ils ont instauré qu'une femme peut récupérer même des biens mobiliers. C'est-à-dire ce que je vous ai dit tout à l'heure, là, pour que la femme ne peut plus récupérer des biens mobiliers, c'était bien pour l'époque de la Mishnah, de la Gemara, mais ça s'arrêtait dès qu'il y a eu les Géonim, avant qu'on arrive à l'époque de Rishonim, ça montait à 1200 ans à peu près. C'est la fin des Géonim. Ils ont instauré qu'une femme, elle peut récupérer, ça peut même des biens mobiliers. Donc si elle a laissé des valises, la femme impose de récupérer cet argent, elle ne dépend pas des grâces des héritiers, ce qu'ils veulent bien lui verser, elle ferme le poing, elle en remet un dans la tête, et elle récupère son argent, elle les amène au Beddin, bien sûr, évidemment, et elle récupère son argent parce que ça lui revient de droit. Ça a été engagé. Puisque ça a été engagé, alors là, dans cette histoire d'Ektuvat, mais ça a été engagé, alors là, attention, ça a été engagé que pour ce qui s'appelle la Ktuba, mais pas pour la Ktuvat Benin Dichrin, comme ce qui rapporte ici le Bar Tenura Tosotium Tov et le Tiferet Israël, en réalité une marloquette sur ça, mais comme ça, c'est retenu pour la Halakha, que il faut en fait, en réalité, si je conclue mon histoire, il faut que lorsque Yaakov décède, qui est concrètement 1 200 000 de biens immobiliers, et en plus de ça, un supplément de biens mobiliers, de quoi faire un héritage entre les deux enfants, et alors là, on va procéder ensuite au partage de l'octobre de Manirine, en donnant le supplément, on donne un petit peu à chaque héritier selon ce qui leur revient comme part d'héritage, et après le 1 200 000 de biens immobiliers, on le partage 1 000 000 pour Réhouven et 200 000 pour Yosef et Binyamin. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. Salam.